Good morning! Allez, Yiden, les sutras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Vefani, Armand Amram Ben Sulika et Shalom Ben Chubiba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans la Sekhati Avant Perek Bet Mishnah Zain. Shnaim Shekichu Shte Achayot, Ze Eno Yodea Eizo Kidesh, Ve Ze Eno Yodea Eizo Kidesh. Ze Noten Shnegitin, Ve Ze Noten Shnegitin. Metu, La Ze Ach Echad Ve La Ze Ach, Ze Cholet Slishtehem, Ve Ze Cholet Slishtehem. לזה אחד ולזה שניים, היחיד חולץ לשתיהן, והשניים, אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וכנסו, הם מוצאים מידם. לזה שניים ולזה שניים, אחיו של זה חולץ לאחת, ואחיו של זה חולץ לאחת. אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. קדמו שניים וחלצו, לא ייבמו השניים, אלא אחד חולץ ואחד מייבם, Bon, vous rappelez de la situation de la Mishnah précédente. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Et on va prendre un cas, cette fois-ci, on va arrêter avec mon exemple de Yaakov et Sav Ishmael, il n'était pas tellement réussi. On va plutôt prendre des cas de deux frères et deux frères. On a Reuven et Shimon, et Yosef et Binyamin, avec Rachel et Léa. Vous êtes prêts? On va parler maintenant d'une situation où il y a eu deux doutes. Donc, Yaakov et Reuven et Shimon, vous les connaissez, ces deux frères. Et à part ça, Yosef et Binyamin, ces deux frères distincts. Ils n'ont pas de rapport, ils n'ont pas de lien de parenté entre eux. Mais Reuven et Shimon et Yosef et Binyamin, ces deux frères. Ce qui se passe, c'est qu'on avait Reuven et Yosef, ils sont tous les deux partis voir Lavan, le père de Rachel et Léa. Et ils ont parlé tous les deux de marier une des deux. Ils ont donné les Kiddushin au père, parce que c'est le père qui reçoit les Kiddushin pour les deux. Ils ressortent de chez lui, ils se disent, ils se souviennent plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que Reuven il s'est marié avec... est-ce que c'est Reuven qui s'est marié avec Rachel et Yosef avec, avec Léa? Ou inversement, ils se souviennent plus. Alors la Mishnah me dit, Shneim Shekitu Shte Achayot, deux personnes étrangères qui ont marié deux sœurs. Le premier ne sait pas qui il a marié. Et le deuxième ne sait pas qui il a marié. Bon, bah écoute. Dans le doute, tu ne pourras plus jamais. Ya Reuven ne pourra se marier avec aucune des deux. Parce que dans le doute, il ne sait pas est-ce que sa femme c'est Rachel ou c'est Léa. Il devra donner un guet à chacune d'entre elles. Et il ne pourra pas donner un guet à l'une et se marier avec l'autre. Parce que si toutefois, la femme mariée, c'était celle, c'était Rachel par exemple, Reuven en réalité c'était Rachel. S'il se marie avec Léa, il n'a pas le droit de se marier avec la soeur de sa femme, de se divorcer. Et un des idem aussi, le deuxième aussi, ne pourra pas se marier. Tous les deux doivent donner deux guettes. C'est clair pour le moment. Attention. Mais tout, maintenant Reuven et Yosef, finalement, ils sont tous les deux morts. Les Ach, ve les Ach. Un, il a un frère, et l'autre, il a un frère. Il y a Shimon et Binyamin. Alors la Mishnah me dit, Zecholet Slishten, ve Zecholet Slishten. Là, on n'a pas le choix pour le moment. Shimon, il va faire la Khalitsa à toutes les deux, parce qu'il ne pourra pas faire le hiboum à aucune, même s'il fait la Khalitsa à l'une, il ne pourra pas faire le hiboum à l'autre. Parce que peut-être que la première qu'il a fait la Khalitsa, c'était sa vraie femme, le hiboum, et il n'a pas le droit de se marier avec Achot Khalutato, c'est comme sa belle-sœur. C'est comme la sœur de sa femme, parce qu'après qu'il a fait la Khalitsa, c'est comme si il s'est rapproché de sa belle-sœur, de la femme de son frère, et ça devient Khalutato, il n'a pas le droit de se marier avec Achot Khalutato. Et idem aussi, Binyamin, il devra faire deux fois la Khalitsa. Ensuite, on complique un petit peu la sauce. Il y a, en réalité, il y a trois frères. Il y avait trois frères initialement. Reuven, Shimon et Lévi. Et on avait Yosef et Binyamin. Donc, les Echad ve les Echnaim. Les Yosef, il a un seul frère. Et Velazé, au deuxième, il a deux frères. Il a Shimon et Lévi. Oh, là, on va pouvoir quand même faire un petit peu de mariage, si on veut. On commence d'abord parce que, à Yachid Choletz Lishten, Binyamin, qui est le Yachid, qui est tout seul, lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire la Khalitsa toutes les deux. Tandis que Ve'ashnaim et les deux autres frères, Shimon et Lévi, alors là, Echad Choletz ve'Echad Meyabem, l'un va devoir faire la Khalitsa, mais le deuxième, il aura le droit de faire le Hiboum, parce que là, ça devient comme dans la mission précédente, de deux choses l'une. Soit, là, Yaakov, il était en réalité marié avec Rachel, et il s'avère que Shimon, il a fait la Khalitsa à Rachel. Lévi, il a le droit de se marier avec Léa, parce que Léa c'est une étrangère, et la loi se marie avec la femme de la Khalutsa de son frère, il n'y a aucun problème. Et si toutefois en réalité,
Léa, c'était la vraie femme de Réhouven. Ben, c'est parfait. Lévi est en train en ce moment de faire le hiboum avec Léa, aucun problème. Maintenant, mieux que ça, une fois que Binyamin il a fait la Khalitsa aux deux, Rachel et Léa elles se retrouvent toutes les deux devant Shimon et Lévi. Chacun, il décide d'en prendre une. Kadmu vekansu en motsin mi adam. Si ce soir, ils ont pris les devants, sans demander au Beddin, et ils se sont mariés finalement avec les deux sœurs, eh bien, en motsin mi adam, on ne pourra plus les faire sortir d'aucun des deux, parce que, a posteriori, le premier n'avait pas le droit de se marier avec la première, parce que c'était peut-être la sœur de sa zkouka leiboum, achot zkoukato. Mais a posteriori, une fois que son frère, finalement, il est venu après coup et qu'il a fait le hiboum, alors il a sauvé l'histoire, il s'avère que maintenant, ils ont le droit de maintenir leur femme dans le doute. Et maintenant, on complique une dernière fois la sauce, mais c'est pas compliqué, vous savez, si vous avez saisi le principe, ça va être la même chose. On avait Reuven, Shimon et Lévi, et on avait aussi Yosef et Binyamin et Dan. Vous savez que Dan, c'était aussi le fils de la servante de Rachel aussi, d'accord? Donc Yosef, Binyamin, Dan. Et maintenant, donc on a Reuven et Yosef qui sont morts, alors ça se passe comme ça, les Echnaïm. Alors la Mishnah me dit, Achim Shel, Zeh Choletz Lachas. Alors maintenant, on cherche autant que possible de faire le maximum de mariages possible. Ou bien, tant bien que mal, peut-être qu'on va réussir finalement à faire qu'il va y avoir une femme qui va avoir le hiboum. Alors on dit comme ça, Achim Shel Zeh Choletz Lachas. On commence maintenant avec la fratrie de Reuven, Shimon et Lévi. Un, Shimon, le frère Shimon, il va d'abord faire une première Khalitsa. Shimon, il fait la Khalitsa Rachel. Premièrement. Achim Shel Zeh Choletz Lachas. Léachat. Et Binyamin, il fait aussi la Khalitsa à l'autre, Léa. Donc on savait maintenant, et après quoi? On a une possibilité comme ça que maintenant, Achim Shelze, Meyabem, Chalousato Shelze. Maintenant, on a dit, attention, on a dit, ne vous trompez pas, on a dit Shimon, il a fait la Khalitsa à Rachel. Et bien maintenant, et Léa, elle a eu la Khalitsa de Binyamin, on est d'accord. Ensuite, il y a Lévi, et bien Achim Shelze, Meyabem, Chalousato Shelze, et bien. Lévi, il pourra ensuite faire le hiboum, s'il veut, à Léa, que Binyamin lui a déjà fait la Khalitsa, parce que de deux choses l'une, il va se marier avec elle, selon le même principe. Soit maintenant elle a été libérée, parce que maintenant quand Binyamin a fait la Khalitsa, c'était, si imaginez Al-Assad, dans l'éventualité que c'était la vraie femme c'était la femme de Youssef, alors c'est-à-dire qu'il a fait la Khalitsa, elle est devenue maintenant une Khalitsa la chouk, et Lévi, elle a le droit de se marier avec elle. Et aussi, et Idem aussi avec Dan, le frère de Yosef et Binyamin, il pourra se marier avec Rachel, lui. Kadmu, shnaim, lo ashnaim, attention, ça se corse un petit peu, mais c'est plus compliqué. Si vous avez compris le principe, alors ça va être simple. Je reprends toujours le cas, on a Reuven, Shimon, Lévi, et Yosef, Binyamin, et Dan. Trois frères, trois frères. On a les deux femmes devant nous, Rachel et Léa. Reuven et chacun a marié une des deux femmes. On ne sait pas qui était marié avec qui. Reuven et Yosef, ils sont morts de toute façon. Maintenant, on a tous les deux qui sont Zkoukot Léiboum. C'est-à-dire, une des deux qui appartient à cette fratrie et l'autre qui appartient à l'autre fratrie. Mais on ne sait pas qui appartient à qui. Donc, dans le doute, on cherche des solutions. Dans la partie précédente, dans la Mishnah précédente, dans la partie précédente, on a proposé quand même un moyen de marier tant bien que mal ces deux femmes. Que. Un efface la Khalitsa, l'autre efface la Khalitsa, et l'autre efface le hiboum de l'autre, et l'autre efface le hiboum de l'autre. Au pire, on a fait la Khalitsa à celle qu'il fallait faire la Khalitsa, et le deuxième, il mariera une étrangère, tant mieux pour lui. Et au mieux, on a même gagné la misa de hiboum. Ce qui se passe, c'est que maintenant, dans la première fratrie, ils n'ont pas posé de question, ils sont directement partis faire la Khalitsa. Donc on a Shimon et Lévi, ils sont partis faire la Khalitsa à Rachel et Léa. La Mishnah me dit donc, Kadmu Shnaim, les deux frères parmi les deux fratries, deux frères donc, ont Kadmu Shnaim, ils ont pris le devant, ils sont partis faire la Khalitsa aux deux. Là, Lo Yayabmu, dans la deuxième fratrie, ils ne pourront pas faire le Yiboum aux deux femmes, mais nécessairement, elle a Echad Choles, Yabem, un droit à faire la Khalitsa, et l'autre devra faire le. L'autre seulement après pourra faire le Yiboum. Mais ils ne pourront pas faire tous les deux le Yiboum, parce que le premier qui va partir, imaginez. Qu'on va avoir maintenant Binyamin qui va se marier avec Rachel. Alors, s'il attire la bonne carte, tant mieux pour lui. Il a fait le hiboum de sa sœur et l'autre, il a le droit de se marier avec Dan. Ensuite, il a le droit de se marier avec Léa en tant que n'importe quelle femme étrangère. Mais si toutefois il attire la mauvaise carte, il s'avère qu'en réalité, Rachel, c'est la sœur de Achot Zkoukato. C'est Léa qui est réellement préposée au hiboum. Il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur pour le moment, jusqu'à que Dan y fasse le hiboum. Et c'est pour ça que la méchante le dit. Mais si toutefois,
Kadmou et Kansou, maintenant, ils n'ont pas posé de questions, et eux, ils ont tous les deux sauté dans les soirs, chacun en a pris une. Binyamin, il a pris Rachel, et Dan, il a pris Léa. Et bien, a posteriori, en motzin mi Adam, sur le marbre, qu'on a dans le Mishnah, qu'a posteriori, on ne leur demandera pas de divorcer ces deux femmes. Pour quelle raison? Parce que, il est vrai que Binyamin n'avait pas le droit de commencer à avoir un rapport avec Rachel, parce que peut-être c'était la sœur Achotz Kukato, parce que Léa, c'est la vraie Skouka. Mais quand finalement, Dan, il est venu, et il a fait le hiboum à Léa, il a sauvé l'histoire. Alors, dans une situation pareille, en temps normal, on découvrira des cas où on va leur dire divorcer. Mais là, puisque c'était déjà une situation de doute pour un interdit Midera Banan, a posteriori, eh bien, en motzin mi Adam, on leur dira pas de divorcer leur femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une pleine de Hatzlacha.